الحمد لله الذي فرض صيام شهر رمضان على المؤمنين وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أن هذا اليوم هو آخر جمعة لنا قبل أن نبدأ شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان أيها الإخوة الكرام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإذا جاء هذا الشهر فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين لا بد أن نزيد أعمال الصالحات في هذا الشهر المبارك كالدعاء والنوافل وقراءة القرآن الكريم والذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وبذكر قال تعالى ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون إذن فمن شهد منكم الشهر فليصم لوانج الله ماتر دي لنيفير الله كي أرضاني aux croyants de jeûner dans le mois de Ramadan. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rendu la nuit ou les nuits, les prières nocturnes de ce mois, une tradition de sa part. Celui qui jeûne, donc la journée, et se réveille la nuit avec froid, avec foi, et détermination avec une espérance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés. Nous témoignons du fond de nos cœurs qu'Allah est le seul digne d'être adoré. Nous témoignons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Paix et bénédiction de Dieu sur lui, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui les ont suivis et qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Frères et sœurs en islam, aujourd'hui, cette prière de vendredi marque où est le dernier vendredi avant l'entame du mois béni de Ramadan. Donc, c'est la dernière prière de vendredi du mois de Chaban. Frères et sœurs en islam, avant l'entame de ce mois béni de Ramadan, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire pitié, de nous faire rencontrer le mois béni de Ramadan.
frères et sœurs en islam. Le mois de Ramadan est le mois dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Saint-Coran. C'est un guide pour les gens et c'est une explication en ce qui concerne la guidance. C'est le Coran également qui distingue le vrai du faux, les ténèbres de la lumière. Lorsque le mois de Ramadan arrive, les portes du paradis sont complètement ouvertes. Celles de l'enfer sont fermées. Satan et ses acolytes sont ligotés. Frères et sœurs en Dieu, il est donc important pour nous d'accentuer, d'accroître les bonnes œuvres durant le mois béni de Ramadan, telles que les invocations. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit en substance, Inna li sawmi 'inda fitrihi da'watun la turad. Que le jeûneur a, lors de sa rupture du jeûne, des prières qui ne sont pas tombées, c'est-à-dire des invocations qui sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lors de la rupture de notre jeûne, nous devons faire de notre mieux pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que nous voulons. Il y a certes des invocations pour ceux-là qui le connaissent, mais de toutes les façons, nous sommes en jeûne. Au moment où l'homme, le croyant, le jeûneur est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans un hadith qudus, Allah subhanahu wa ta'ala dit le jeûneur a deux joies. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Il a la joie, le bonheur lors de la rupture de son jeûne. Et il a également cette joie-là lors de la rencontre avec son Seigneur. Celui qui jeûne, lorsque vous êtes en état de rupture, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. Avec votre date, soit c'est de l'eau, soit un autre fruit, c'est le moment à jamais de demander à Allah, d'envoyer nos requêtes, nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala. Les prières sont vite acceptées. Les intestins sont déjà dans une épreuve totale. Le corps est déjà fatigué. Qu'il soit fatigué ou pas, lorsque vous jeûnez, lors de la rupture, nous devons donc invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car il accepte nos invocations. Frères et sœurs en islam, les prières nocturnes, très importantes dans le mois béni de Ramadan. Wallah. Le prophète a été très clair. Faman soma huwa koma hu imanan wa tisaban, wafirallahu ma taqadama min dambi. Celui qui jeûne et se lève la nuit pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Frères et sœurs en islam, c'est très simple. Mais, compte tenu du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, il y a le Satan. Satan ne veut pas. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec les prêches, les rappels, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, lorsque le mois de Ramadan arrive, des gens ont plusieurs types de mosquées. Il y a des mosquées fusées, il y a des mosquées avions, il y a des mosquées trains, il y a des mosquées caméléons. C'est comme ça. C'est-à-dire que les gens choisissent les mosquées. D'ailleurs même, il y a une grosse erreur que nous commettons lorsque le mois de Ramadan arrive, compte tenu des prières de Taraweh. Les gens rapprochent la prière d'Isha bien avant l'arrivée de son heure. Soit disant que nous voulons faire la prière de Taraweh. Parce que si on nous rapproche, c'est ça. « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitab mukuta » Allah était très clair. La prière, elle est obligatoire, sur nous a été prescrite à des heures fixes. La prière de Isha est une obligation sur le musulman. Mais la prière de Taraweh n'est pas une obligation. Si vous n'avez pas prié Taraweh, vous n'avez pas de péché. Mais si vous avez fait la prière de Isha, c'est un grand péché. D'ailleurs, même si vous les associez, c'est un grand péché. Conservons nos heures de prière de Isha comme cela se doit et on fait la prière de Taraweh. Frères et sœurs en islam, nous n'avons qu'un mois, qu'un seul mois durant l'année en entier. 12 mois, nous avons un mois pour accroître nos bénédictions, pour chercher pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les prières. Donc la nuit, on ne s'amuse pas. Voilà. Et lorsque les derniers jours arrivent, les dernières nuits, les 10 dernières nuits également, nous réveillons-nous pour les prières, les invocations. On ne s'amuse pas. Les gens prennent surat l'ikhlas, kulluhu Allah ahad. Il fait Allahu akbar, Allah, sami Allahu liman hamid, rabbana wa lakal hamd. Il se réveille, Allahu samad. Il se réveille plutôt, Allahu samad. Il fait la génuflexion, la miyayidu wa la miyulad. Pour la seule surat de kulluhu Allah ahad, l'ikhlas, il a fait 4 nafla, 4 rak'at.
ne s'amuse pas avec le mois du Ramadan, les frères et sœurs en Islam. Ce n'est pas, d'ailleurs même, le prophète Mohammed, si nous connaissions vraiment l'importance du mois du Ramadan, nous allons normalement demander à la Sabbatane de transformer les 12 mois de l'année comme le mois béni du Ramadan. C'est très important. En dehors de cela, Al-Qira'at, le Coran, le Karim, la lecture du Saint-Coran, l'écoute de la récitation du Saint-Coran, frères et sœurs en Islam, parce que le mois du Ramadan, c'est le mois par excellence du Saint-Coran. Parce que c'est le mois dans lequel le Coran a été révélé. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Dieu dit, nous l'avons certes révélé dans la nuit bénie. Inna kunna muzin. Parce que nous sommes certes ceux-là qui rappellent aux gens. Et c'est au cours de la nuit qu'on appelle Al-Qadr. Donc, tout le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Si vous n'avez pas eu la chance d'apprendre sa lecture depuis le bas âge, vous êtes actuellement, vous ne savez pas lire. Alhamdulillah, avec l'Internet, nous le mentionnons, là, c'est bon, il suffit de cliquer seulement. N'importe quel lecteur vous voulez, si c'est Shurim, si c'est Ali Diable, si c'est Ousseb, si c'est tous, vous allez les retrouver. Le petit temps que vous avez, vous écoutez le Coran. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan, au moins, ne serait-ce que nous pouvons lire le Coran du début jusqu'à la fin. Alhamdulillah. Voilà, si on nous présente les bénédictions, c'est comme des montagnes. On ne peut pas les soulever. Mais c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala que nous saurons que nous avons perdu assez de temps sur la terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Frères et sœurs, en islam, al-dhikr, je rappelle, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est des rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la dhikrullah akbar. Dans le mois de Ramadan, on ne s'amuse pas. Lorsque vous avez un petit temps libre dans votre bureau, peut-être quelque part où vous avez un peu de temps, où on peut appeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que vous soyez avec votre chapelet ou pas, il faut rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le mois béni du Ramadan, c'est très important. Cinquième position, l'assistance aux pauvres au cours du mois béni du Ramadan. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été très clair. Celui qui assiste un jeûneur, vous avez avec votre assistance, quelqu'un a pu rompre son jeûne, vous avez, selon le prophète, les mêmes bénédictions que la personne, sans que les bénédictions de cette personne ne lui soient diminuées. Exemple, durant la journée de dimanche ou lundi, je suis en jeûne. J'ai bien rempli mon jeûne de la journée. Exemple, je devais recevoir 100 bénédictions. Mais avec votre assistance, j'ai pu remplir mon jeûne. Mes 100 bénédictions me seront octroyées. Mais vous, à cause de qui j'ai pu remplir mon jeûne également, on vous prescrit au-delà de votre bénédiction, mes propres bénédictions également, comme 100. Si vous devez avoir 100, ça vous fait 200 parce que j'ai pu rompre avec votre date. C'est pourquoi il a dit, Itak nar, wala bishik tamr. Craignez l'enfer, même si c'est à travers, n'est-ce pas, la moitié de la date. Vous avez une date, séparer cela en deux parties, partager cela, donner à quelqu'un pour rompre le jeûne. C'est très important, chers frères et sœurs en islam. Donc nous avons un mois qui arrive. Dans quelques heures, Allah subhanahu wa ta'ala seul le sait. Si nous avons la chance de le rencontrer, c'est l'occasion à jamais de se concentrer. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il appelle sa famille que le mois de Ramadan est arrivé. Chacun doit serrer la ceinture dans la bénédiction, dans la recherche des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la recherche du bonheur. Le jour de la rétribution, il y a une porte qu'on appelle Ar-Rayyan. Seuls les jeûneurs entreront par cette porte. Lorsqu'ils y pénétreront à travers cette porte-là, on la fermera. Personne d'autre n'y entrera, sauf les jeûneurs. Et le jeûne également intercédera en faveur, n'est-ce pas, de son propriétaire, comme le Coran. Le Coran dira au Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est moi qui l'ai empêché de dormir la nuit parce qu'il me récitait, il me lisait, pardonne-le. Le jeûne également dira, c'est à cause de moi qu'il a abandonné ses désirs charnels. C'est à cause de moi qu'il a abandonné de manger, de boire, n'est-ce pas, de faire de n'importe quoi. Oh Seigneur, pardonne-lui. Frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions rencontrer le mois béni de Ramadan. Et lorsque ce mois-là arrive, concentrons-nous sur les invocations, les prières, la collecte du Saint-Coran, les invocations. Jusqu'à la fin du mois de Ramadan, voilà, après cette concentration, chacun saura. S'il s'est vraiment concentré, que ses besoins lui seront accomplis par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que inna Allah la yukhlif al-mi'ad. Allah subhanahu wa ta'ala ne lésine jamais sur ses rendez-vous. Ce qu'il a dit, il va le, n'est-ce pas, le respecter. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين Chers frères et sœurs en islam, le début du mois de Ramadan a toujours été une polémique pour la communauté, non seulement musulmane, mais toute la communauté de la planète. Sur ce, le Saint-Coran nous dit « Faman shahida minkum shahara falyasum » Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de renchérir en disant « Soumou li ru'yati waftiru li ru'yati fainugum alaykum fakimilu shaban » Celui parmi vous qui voit le croissant, qui jeûne. C'est le verset du Saint-Coran. Donc, on doit jeûner, on doit commencer le jeûne à l'apparition du croissant lunaire. Le prophète également le dit, je commençais le jeûne dès l'apparition. Et à la fin également, rompez lorsque vous voyez donc qui le nouveau croissant, la nouvelle lune. Lorsque le ciel elle vous empêche de le voir. Donc, à la veille, continuez ou cumulez Chaban jusqu'au 30. Et le lendemain sera le premier jour du mois béni de Ramadan. Alhamdulillah, avec aujourd'hui, avec le développement des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, alhamdulillah, le problème ne se pose plus. Nous avons des pays sur lesquels nous comptons, sur ce plan, qui ne veut pas nous dire ah, on a vu, on n'a pas vu la lune. Nous serons toujours en attente. En collaboration avec les plus hautes autorités de notre communauté musulmane, Inch'Allah, lorsque le croissant se fera voir, je crois que, Inch'Allah, nous allons débuter notre jeûne, si c'est aujourd'hui ou bien si c'est demain. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Frères et sœurs en islam, il y a certains actes qui annulent le jeûne, mais d'autres n'annulent pas le jeûne. Celui qui est en jeûne et prend un rapport intime avec son épouse, le jeûne est complètement rompu. À la fin du mois de Ramadan, il rembourse. D'abord, il cherche le pardon de ses péchés. Il rembourse le jeûne et il fait ce qu'on appelle l'expiation de 2 mois de jeûne. Ou soit il nous sent pauvre ou il a franchi un esclave. À part cela, celui qui est en jeûne dans la journée, il boit, il mange par volonté, donc par intention, le jeûne est annulé. Lui également cherche pardon, mais il rembourse le jour-là après. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, après le mois de Ramadan. Le vomissement volontaire, selon les ulémas, rend le jeûne. Celui qui a un jeûne, il rend volontairement. Il met, exemple, le doigt dans sa bouche et il vomit. Le jeûne est annulé. Il reprend le jeûne après le mois de Ramadan. Mais le vomissement involontaire ne rend pas le jeûne. Quelqu'un qui est en jeûne, qui voit quelque chose qui lui déplaît, et le vomissement arrive, lui, le jeûne est à sa place. Celui qui mange et boit, par par sa volonté, involontairement disons, le jeûne est à sa place. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était très clair que celui qui a un jeûne, maintenant c'est wa sawim, fa akal aw shariba, fa yutim masamahu, fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Que celui qui a un jeûne et oublie, mange, oublie, boit, lui qu'il continue son jeûne, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a nourri, c'est lui également qui l'a abreuvé. Le Seigneur subhanahu wa ta'ala sait que vous êtes en jeûne. Il pouvait vous rappeler. Mais si vous avez mangé et vous avez bu également, alors que vous ne vous êtes pas rappelé, ça, c'est un combat à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de continuer votre jeûne, le jeûne à sa place, il n'est pas annulé. Mais il y a certains qui font certaines erreurs. Ça, j'ai l'habitude de le dire. La personne, habituellement, chez nous ici, on termine avec la viande. Donc, la personne en train de manger, ça fait que, ah, je suis en jeûne. Oh, il regarde la viande. Il dit, oh, je vais terminer ça et dire que j'ai oublié. Non, ce n'est pas comme ça se passe. Aussitôt que vous vous rappelez, il faut abandonner complètement. Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que cela soit ainsi, chers frères et sœurs en islam. Celui qui est en jeûne également et qui fait un rêve érotique, il se voit en train de faire, n'est-ce pas, rapport intime avec l'autre sexe et il, n'est-ce pas, se voit dans un autre état, dans un état d'éjaculation. Lui, le jeûne est à sa place, le jeûne n'est pas annulé. Il se lève et il se purifie de la meilleure des manières. Il continue également son jeûne, chers frères et sœurs en islam. Il y a plusieurs actes qui annulent le jeûne qui nécessitent le remboursement. Mais Inch'Allah, avec nos serments, nous allons, par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous les rappeler. Il y a certains actes que les gens pensent, ou certains d'entre nous pensent qu'ils auront le jeûne, mais qu'ils n'auront absolument pas le jeûne. Le fait de se parfumer, le parfum n'est pas une nourriture. Le fait de se doucher avec de l'eau et du savon, ça ne rend pas absolument le jeûne. La nage, ça ne rend pas le jeûne. Si, éventuellement, cela ne rentre pas dans votre bouche à travers vos narines, sinon ça ne rend absolument pas le jeûne.
La salive ne rend pas le jeûne. C'est comme vous appelez habituellement col, chirola. Ça n'annule pas le jeûne. Donc, chers frères et sœurs en islam, ce que nous devons nous rappeler, c'est que tout le corps de la personne jeûne, les yeux jeûnent. Quand on jeûne, on ne regarde pas n'importe quoi. Les pieds jeûnent. Quand on jeûne, on est en jeûne, on ne va pas n'importe où. Les mains jeûnent. Quand on jeûne, on ne prend pas de n'importe quoi. Notre cerveau jeûne. Quand on jeûne, on ne pense pas à n'importe quoi, chers frères et sœurs en islam. Donc, le jeûneur doit être en communion directe avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être en collaboration directe avec lui, comme si nous sommes avec Allah subhanahu wa ta'ala en direct. Lorsque le jeûneur est en concentration directe avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, il verra que ses prières, ses invocations seront acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Frères et sœurs en islam, pour clôturer, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a fini le serment, il a dit « Ami, Ami, Ami » trois fois selon les explications. Et selon l'explication, c'est l'ange Gabriel qui est venu à lui et lui a fait trois prières, les trois invocations. Quand il finit, il dit « Dis Ami » et le professeur Sam dit « Ami ». Le premier, que c'est le plus bavard parmi nous, c'est celui qui a entendu le nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il n'a pas prié sur lui. Il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Lui, c'est le plus bavard. C'est comme il est maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Dis Ami, le prophète a dit Ami. Deuxième, celui qui a pu rencontrer ses deux parents vivants ou un parmi eux qui est vivant et qui n'a pas su comment les entretenir, comment avoir pitié d'eux, comment se comprendre avec eux, comment les comprendre également. Et il a fait en sorte qu'il n'a pas eu leur bénédiction. Lui également, c'est comme quelqu'un qui a maudit, dit « Ami ». Le professeur Salman a dit « Ami ». Troisièmement, celui qui a rencontré le mois béni du Ramadan, du début jusqu'à la fin, et n'a pas eu ses péchés pardonnés, lui également, le plus perdant également parmi vous, c'est lui, dit « Ami ». Le professeur Salman a dit « Ami ». Frères et sœurs en islam, les années passées, on était avec des frères, on était avec des sœurs, on était avec plusieurs personnes. Les gens ont fait des programmes de jeûne là, vraiment, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Aujourd'hui, quand on appelle leur nom, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde. Quand ils disent, oh, il a djabili. Quand on appelle ça, on dit, oh, il s'est préparé pour jeûner. Exemple de notre salle qu'on vient d'abattre froidement à Kalimé. Il se préparait correctement pour accueillir le mois de Ramadan avec l'assistance aux pauvres. Mais le bon Dieu a voulu, avec ses malfrats ou ses esprits vraiment, que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, seul sait qu'est-ce qui les anime, ils l'ont abattu froidement, sans autre forme de procès. C'est-à-dire que le monde voit où chers frères et sœurs en islam. Donc voilà les gens qui se préparent, nous tous comme ça, on se prépare pour jeûner. Mais d'ici, à ce moment-là, jusqu'au début du mois de Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui va jeûner. Donc si nous avons la chance de rencontrer ce mois béni de Ramadan, il faut maximiser le profit. Il faut vraiment profiter de l'occasion. De telle sorte qu'à la fin du mois de Ramadan, que votre corps même sente que, alhamdulillah, wallahi, j'ai pu faire quelque chose. Le reste appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa sallu ala khair khalqillah. Muhammad ibn Abdullah. Faqad amarakum Allah bi zalika faqul anzal man fa'ina Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد الله عن الخلفاء أربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فرسل الإسلام أبان الأخير. Il y a trois communiqués. Le premier est relatif à la conférence qui se déroulera en haut de notre mosquée, aussitôt après la prière. Le second communiqué est relatif à les travaux qui sont en train d'être faits dans notre mosquée, à travers le carrelage et tout ça. Donc, à la fin du mois, à la fin, Inch'Allah, nous allons demander un justice spécial pour continuer cette activité-là, pour continuer, n'est-ce pas, ces travaux, de sorte que notre mosquée soit l'une des mosquées vraiment les plus importantes sur le plan national comme international. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilitera pour nous. Donc, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions rencontrer le mois béni de Ramadan. Qu'à la fois que nous puissions rencontrer le mois béni de Ramadan. Qu'à la fois que nous puissions rencontrer le mois béni de Ramadan. Et que chacun également puisse s'investir de la meilleure des façons pour que son Ramadan soit une réussite totale. Qu'Allah nous donne la santé nécessaire pour affronter le mois de Ramadan. Qu'Allah nous donne la santé financière nécessaire pour affronter le mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous donne la santé physique nécessaire pour affronter le mois béni de Ramadan. Qu'Allah nous donne la santé spirituelle nécessaire pour rencontrer le mois béni de Ramadan. برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وازل الشرك والمشركين
ودم العداك وعداء الدين بشر المجاهدين في كل مكان اللهم امنا في اوطاننا وسلامتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وارضاك يا رب العالمين اللهم لا تنالنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا عدوا الا خذلته ولا مطرا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا ميتا الا رحمته ولا مجاهلا في سبيلك الا نصرته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا اخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخنعة القرآن وشرفنا بشرفة القرآن وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان المبارك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.